Le business de l'Empire est 4 de plus. C'est vrai que maintenant il y a Twitch qui fait des succès. C'est quoi? Diffuser un total de 250 heures. Oui, bah ça. Diffuser 25 jours différents au cours des 30 derniers jours. Waouh! Le business de l'Empire s'est diffusé un total de 500 heures. Ah oui, d'accord, mais c'est encore plus. Et après, c'est encore plus. Ah, d'accord. Putain, mais il y a des succès Twitch. Mais c'est bientôt l'anniversaire de Shade. Par contre, c'est vraiment bientôt l'anniversaire de Shade, pour le coup. Et là, c'est bientôt l'anniversaire de Shane aussi. Incroyable! Tellement d'anniversaires. Tiens, de la part de Linus. Je l'ai fait avec amour. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Ouais. Demain, il va faire beau. Ah, bon, on a des trucs à ramasser. Mais je veux pas la manger. Je veux la ramasser. Ah non, mais ça fait très 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 longtemps, j'ai déjà été affiliate, mais j'ai demandé à ce qu'on me supprime le statut, et depuis ils me l'ont redit en mode « Oui, mais oublie pas, hein, tu peux être affiliate, hein. » Ouais, je sais. Ah oui, non, j'ai mal lu, j'aurais limite les prérequis pour être partenaire sans être affiliate, putain. Lis mieux les phrases, Lulu, et ferme ta gueule. Oui. Incroyable. Non mais... En vrai, je commence à avoir mal à la tête. Mais, je pense que vous vous en doutiez, vu les conneries que je dis. Oh oui, le large goat milk! Oh, comment je l'avais prédit! Incroyable. Je prédis en 2018, je vais être riche. Allez. Ça marche dans Stardew. Pourquoi pas dans la vraie vie? Oula. Alors. Eh ben, le large goat milk, il faut que je le vende. Ah bah, je l'ai déjà vendu! Ah bah, ça va! Bah, du coup, je peux le garder. Et le garder. Cool. Je stocke. Ouais. Ouais. Et, j'ai déjà vendu un œuf tout simple. Normalement, oui. Oui. C'est la mayo que j'ai pas vendue, vu que je l'avais, vu que j'en avais fait bah, de la mayo et qu'après je l'ai mis dans le petit coffre pour en récupérer une poupée moche. Je vais percer sur Twitch, j'aurai 5000 subscribers et je ferai des placements de produits et tout. Mais oui, mais je veux des placements de produits intéressants, c'est-à-dire des trucs où je peux bouffer gratos. Genre les kebabs de ma région. alors, ouais, on est le 19. Je vais essayer de refaire des graines de printemps. Quoique je pourrais... Non, je vais racheter des graines de panais. De panais, panais. De panais, panais. Il est panais, panais. Sponsorisé Allo Resto. Mais il n'y a pas Allo Resto à Fougère! Ça m'emmerde! Moi, je veux Allo Resto à Fougère! Je vais me faire parrainer à l'Oresto pour qu'il y ait l'Oresto à Fougères, voilà! Bordel! Le kebab de vos régions, aujourd'hui région Rhône-Alpes! Testé par mes viewers, en qui j'ai confiance, le kebab machin vous proposera un salade tomate-oignon des plus exquis. Il me livre chaque stream un repas différent, mais tellement! Allez, je teste en live! Comme ça, je peux faire des streams IRL! Parfait, Earth Crystal. Ah, t'es pas encore ouvert, c'est vrai. Deliveroo ou Foodora. Je connais pas ces deux-là. Allez, partenaire des trois, comme ça, pas de jaloux. qu'est-ce qui se vend le plus cher entre... Je vais regarder le prix. Alors,
Végétable. Romprice. Alors, le panais, ça se revend 35 tout seul. Moi, je peux le revendre à 38 avec mon bonus. Donc, tout seul, sans étoile ni rien, il se revend à 38. Bon, alors, pour le même temps de pouce, autant que j'achète les garlics, ça se revend 66 avec mon bonus, 60-100. Pour le produit neutre, sans étoile. Sans étoile d'argent ou d'or. Ça se revend combien? Ça se revend 121. Ça pousse en 6 jours. Si je le plante aujourd'hui, ça commencera à pousser à partir du 20, donc ce sera bon le 26. Je peux planter ça aussi. Les patates, non, ça se revend moins bien que le calé, que le kale. Ça pousse en 12 jours, donc c'est pas la peine. Ouais, donc je peux racheter plein de ça. Et éventuellement quelques ça. Quelques ça. Et il me faut donc un Earth Crystal. Ça va. Tu vas où? En vrai, je sais où il va. Il va à la mer. Deliveroo et Foodora livrent parfois là où le resto ne livre pas. Intéressant. Mais à mon avis, il n'y a personne qui livre. Alors attendez, hop. Voilà, j'enlève mon écouteur. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Mais si c'est le cas, ce serait une bonne surprise, mais ça m'étonnerait. Bon, j'ai tout planté. Et coucou. Ça va, indigeste? Oh, ça capte mal. Non. Non. Duck Mayo. Poussez-vous les poules. Poussez-vous les poules. Poule pousse. Oh, j'ai pas craft le tonneau? Le tonneau à fleurs? Ah ben non, mais j'avais pas acheté la recette non plus d'ailleurs. Oh, c'est pour ça, tout s'explique. T'es au chaud sous la couette, ça va. Ah, tu l'as mis en 180p. Ah oui, c'est sûr que ça doit être dégueulasse. Ça doit être très dégueulasse. Mais bon, ça va, tu peux t'imaginer commencer sans les pixels. Stardew Valley, tu connais par cœur. Ça doit être tellement beau. A corn. It's a corn. Alors, hop, hop. C'est des pixels flous. Oh. Des petits pixels tout flous. Oh, et la pierre. Oh. C'est à peine si tu peux lire l'heure en gros. La vache! Alors je pourrais éventuellement l'acheter pour compléter le truc d'été, mais enfin de poisson, mais il m'en manquerait encore un, donc non. Très bien, et eh bah ben, rien qui m'intéresse. Ah oui, faut que je repasse chercher le Earth Crystal. Et tu vois pas le jour, c'est Friday. Friday 19. Et il est midi 30, midi 40.
J'ai bébé chat qui ronfle. Faut que j'arrête d'attaquer les ennemis à la canne à pêche, hein. Ça marche pas très bien. Oh là là, il y en a partout. Oh, petite améthyste. Sympa. La sortie. Allez, la sortie. Voilà. Donc, je vais déposer tout ça. Je vais donner le cristal à Robin et pour le temps qui restera de la journée, on va passer à... À pêcher, tiens, allez, je vais pas dans les mines, je vais passer le temps à pêcher. Allez, on va juste déposer les trucs à revendre, enfin déposer, les revendre du coup, à la guilde. Et hop, moi il me faut ça. Ah oui, j'ai oublié ça, c'est pas grave. J'irai le faire ouvrir une autre fois. Tu ronfles, bébé. Elle n'a rien à foutre. C'est je ronfle et je m'en fous. Kizer. Et voilà. Oh là, l'étoile, ça y est. Bah oui, Sébastien, il essaie d'arrêter de fumer. Elle est fière de lui. C'est malin. C'est malin. Ah, bah c'est cool s'il vous fait envie, Stardew Valley. Faut la prendre. C'est très cool. Il faut craquer. Alors, pack, pack, pouf, bye bye. Pack, pack, pouf, bye bye. Très bien résumé. Alors, il est où mon œuf de dinosaure? Mon œuf de dinosaure, il est pas là. Oh oh. Tellement triste. Ouais, bah oui, forcément, avec le solde de Noël, ouais, il doit être en promo un peu partout, donc... ça doit être effectivement le moment. Mais après, il n'est pas très cher en temps normal aussi. Même si ça peut être cher en soi, en fonction de nos propres moyens. Un dinosaure? Non. Je crois qu'il est à 15 ou 20 euros, non? Je sais plus. De base. Sans promo. Dinosaure? Ah, c'est un os. On l'a déjà trouvé, ça se revend. C'est un os, mais moi c'est un œuf que je veux. Et on peut dire que je suis tombée sur un os! Ah! 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 14,99, oui, bah, ça va du coup. C'est vrai que ça peut quand même rester cher en fonction de notre budget, mais c'est plus abordable qu'un jeu à 60 euros ou plus. Hop! Bon, on va pêcher tranquillement, on verra bien ce qu'on aura. Là, on pêche plein de chubes.
Ah oui, par contre, clairement, oui, si on reconvertit en euros par heure, c'est hyper rentable, ça, clairement. T'aurais pu l'acheter si t'avais pas une petite mésaventure. Bah oui, bah c'est pour ça, je dis, ça arrive que même des jeux pas chers comme ça, de base, ça puisse être cher en fonction de notre budget, hein, c'est pour ça, c'est en fonction de chacun quand vous pouvez, ou des trucs du genre, donc... Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, même si, mettons, il n'est pas très cher en ce moment, c'est, entre guillemets, pas très grave si vous manquez les promos, parce que de base, il n'est pas très cher. €9,23 chez Bundle, c'est encore moins cher, oui. 9,40 sur Steam. Ça compare les prix. Bullhead. Oups. Carpe. Un peu plus cher vu le contenu. Bah oui. Bah oui, comme quoi. Après, je sais que. Peut-être. Enfin, je sais pas, je sais, mais. C'est peut-être. Peut-être qu'ils voulaient garder un prix intéressant. Tout en ayant la possibilité de se faire quand même un peu de pécule, mais. Peut-être qu'ils voulaient garder un prix. Ouais, pas trop cher, je sais pas. Comparer les prix de tous les revendeurs, il y a le site Is There Any Deal? Ouh, je connaissais pas ce site. Ah, mais je fais de la merde! C'est genre safe comme site, ça va? C'est pas. Un déchet! Ouais! Synchro, la wishlist Steam, et ils disent où est le meilleur prix. Ah, ça c'est pratique ça par contre. Allez, il va y avoir un truc incroyable dans le coffre. Il a proposé que des sites safe. Ah, ça c'est cool ça, ouais. Parce que s'il propose des trucs de revente, c'est pas top, mais. Ah, faudra que je mette ça de côté alors. Ça peut être pratique. Ouais, je vais faire un tour dessus après. T'es sur PC ou sur téléphone? C'est pour savoir si tu peux me chuchoter le lien comme ça. Comme ça, je l'ai même après le stream en fait. Parce que sinon, si c'est dans le chat, je vais oublier. Hop. Allez. On va dire que ça suffit pour la pêche pour aujourd'hui. On va aller vendre tous les poissons. Qu'est-ce que j'ai pêché? Plein de crapes. Plein de crapes. Là, c'est rigolo de dire carpe crap parce que c'est rigolo. Je vais stocker quoi aussi au frigo? Faut que je fasse le point sur les poissons du frigo. C'est sur tel, mais tu peux me l'envoyer en MP après si tu veux. Alors attends. Ouais, c'est bon. Du coup, Axor me l'a fait. Is ok. Presque 99. Ah. Bon, mais ça va, c'est vrai que c'est pas très cher. Mais voilà, comme je disais, vous connaissez la chanson. Elle chante. Incroyable!
Alors, j'ai encore tout plein de ça. Je vais stocker. J'imagine que. Est-ce que j'ai le prix du poisson? Oui, carrément. Le chub tout seul, là, à ce prix-là, il se revend 62. Je crois que j'avais pris la profession Fisher, il me semble. Ouais, je crois. Je suis plus sûre. Donc ça se revend 60 au pire si je l'ai pas. 62 d'ailleurs. Et carpe. Ah, la carpe se revend moins cher. Bah je vais stocker quelques carpes alors. Voilà. Comme ça je suis sûre de pas être à court de poisson. Le poisson. Et je revends tout le reste. Et demain, c'est l'anniversaire de Shane. Très bien. Donc ça, c'est un événement random. Chaque soir, quand vous allez vous coucher, il y a une probabilité que vos animaux dans la grange donnent naissance à des animaux. Alors oui, ils donnent naissance tout seuls, démerdez-vous. Mais je vais vous montrer en fait, je vais vous expliquer. Et là, du coup, c'est trop cool! J'ai un mouton gratos! J'ai un mouton gratos! Mais en tout cas, ça me rassure parce que la première fois que j'avais eu ça, c'était sur ma partie perso. Et j'étais censée recevoir une chèvre. Enfin, recevoir. J'étais censée avoir une chèvre. Sauf que j'avais pas mon curseur. Il avait disparu. Et du coup, impossible d'appuyer sur OK. J'étais très triste. C'est trop bien! Trop cool. Trop cool! Alors, c'est quoi le poisson qui vaut le plus cher? Sans compter les spéciaux. C'est la lava eel. Ice peep aussi, le stonefish et le sea cucumber sinon. Ok. J'ai un mouton gratos! Appelle-le Jésus. Trop tard! La pollinisation. Qu'est-ce que je peux faire pour Shane? Il aime bien les pizzas, la bière. Hot pepper et pepper popper. Ça, je crois que je sais le cuisiner, non? C'est quand que je l'apprends la recette? On l'apprend. Ah oui, c'est lui qui nous file la recette, c'est vrai, donc je la connais. Il me faut un hot pepper et un cheese. Ok. Hot pepper et un cheese. Pour son anniversaire, à mon avis, il va être chez Marnie au départ. Et puis après, je crois qu'il va peut-être bosser. Ou au pire, il sera chez. Saloon. Voilà. Oh, un catfish. Merci, Linus. Salut. Cadeau. Bye bye. Donc ça met 6 jours à pousser. Donc là ça commencera à pousser à partir de demain. Donc ça sera prêt le 27. Donc ça va, je peux encore le planter. Et ça je peux planter, il y a de la marge. Ah ça y est, t'as fini de pousser, enfin!
Alors, hop. Mais non, j'arrose pas, je voulais le remplir. N'importe quoi. Alors, hop. On va avoir plein de café. Mais je m'en fous, je veux pas te parler, je vais ramasser mon café. Et salut Ryudo. Enfin Graou, comme tu dis. Alors, je récupère ça. Ouais. Oh, il a donné de l'eau à Nissi. Good boy. Good boy. Oui. Tada. Une nouvelle poule. Ah. Éclos. Enfin, un nouveau poussin est apparu, genre, pop. Elle a l'air bizarre. Mais non, elle est pas bizarre. Elle est magnifique. Je vais l'appeler... alors attendez, c'est quoi les noms random déjà? Moule. Lu. Ouais, je vais l'appeler Lu. Elle est trop dark! Regardez-la! Elle est trop belle! Elle est trop belle! Elle est trop belle! Elle est trop dark! Oui! C'est la plus belle de toutes les poules! Et là voilà, mais casse-toi! J'ai une poule de chaque couleur, c'est officiel. Avec un T majuscule, c'est officiel. Oh regardez, c'est l'énergie! Ouais! Oh petit baby! Donc alors, en fait, si vous ne voulez pas que vos animaux donnent naissance la nuit, même si c'est un événement aléatoire, il vous faut en fait appuyer sur ça là. Et vous faites paf! Pas de prégnancy. Non, non. Non, non, non. Et là, vous aurez aucune chance que l'animal donne naissance. Hop, mais moi j'en veux bien, donc hop, vas-y, écrémeux. Alors, j'ai deux chèvres. J'ai. Alors, la vache, c'est bon. La chèvre, je vais la laisser faire aussi. Par contre, mon autre mouton, je vais lui dire, c'est bon, t'as bien travaillé. Putain, mais je suis trop étonnée. Je m'attendais pas à avoir un mouton aussi rapidement. Je suis... Waouh. 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 Mais je sais, j'étais en train de tondre mon mouton, pas ma poule, mais elle s'est mise au milieu, j'y peux rien. Vous pouvez pas tondre votre poule. Oh, et un... Chut. Je tonds ma poule si je veux. Alors, c'est l'anniversaire de Shane, il me faut un hot pepper et un fromaggio. Et je vais en refaire. Tac, tac. Wouh. I'm gonna do some mayo with a shitty egg. Comme ça, il n'y a pas de waste. Je vais stock des eggs. Oh. Tout plein de eggs. Et paf, cadeau pour Shane. Magnifique. Ensuite, j'ai arrosé ça, très bien. Je vais regarder ce que je peux vendre dans le reste de mes légumes. Et autres divers. Verts. Oh, oh. Je peux ranger ça. Ça, je sais que je peux vendre, ça c'est bon. Les haricots. Les haricots, je peux vendre. Les choux-fleurs, c'est bon. Ça, je vais stocker. Hop. Ça, je vais le ranger. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, je veux le mettre là. Ça je vais le ranger, ça il faut que je le vende pour la collection. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais aller dans les mines, allez. Allez.
Donc on a acheté le cochon, j'ai des sous. C'est pas encore le festival de la danse, donc je peux acheter des trucs. Je vais commencer à acheter le bundelu. Bah, Micromania, il est peut-être à 19,90 parce qu'il est certainement en physique aussi. Il existe une édition physique sur PS4, peut-être sur Xbox également, sur PC, je sais pas. Et dans l'édition physique, vous avez l'OST. Mais par contre, c'est l'OST d'avant, donc par exemple, il y a quelques pistes qui ne sont pas dessus. Mais vous avez l'OST qui est avec, et je sais plus s'il y a d'autres trucs avec. Je crois qu'il y a des petites explications fournies avec. Pas comme le guide, mais des mini-explications avec. Et je sais plus quoi d'autre. Ah, j'ai rien vendu! Oh la con! Donc c'est peut-être pour ça qu'il est plus cher aussi. Iron Bar pour Ailey. Ok, si tu veux. Donc c'est certainement pour ça aussi qu'il est plus cher à Micromania. Parce qu'il y a les sous en plus pour l'édition physique, j'imagine. Alors que tout le reste est dématérialisé sinon. J'avoue qu'un jour, même si j'ai pas de PS4 ou de Xbox, un jour, ça me dirait bien de le prendre en physique juste. Parce que voilà. Pour la collection. Alors que ça me servira jamais, mais. Alors par contre, je le laisserai pas emballer, hein, je l'ouvrirai parce que je veux voir le contenu. Parce que j'aime bien ouvrir les trucs, donc. Mais je m'en fous. Hop, donc je peux revendre ça. Ça, je vais les garder. Ça, je peux vendre, on a dit. Et il me faut un lingot de fer. Mais après, oui, ça n'empêche que voilà, Micromania, hein, c'est Escromania. Iron Bar. Pour Ailey. Alors, normalement, elle est peut-être près de la fontaine, on va aller voir. Sinon, elle est peut-être dans la forêt ou à la plage, au choix. Et elle est là. Alors, ouais, bah je vais prendre celui-là. Hop, pure chasse. Des gâteaux au chocolat. Ce sera bien pour Evelyne et Jody. Et pure chasse. Quality fertilizer. Yeah! Petit Junimo, tout mignon, avec son paquet tout rouge. Trop chou. Trop chou, trop chou. Non, en plus, c'est vrai que le jeu, il pèse rien, effectivement. Je sais plus combien exactement il fait, mais il n'est pas très gourmand. Ça allume ma roue. Ben oui, bien sûr que je connais ton papa. Je suis passé tous les jours devant lui pour courtiser Sébastien, tu sais. Bon, il racontait des trucs de science et après il fait « Oh désolé, je savais pas que t'étais là. » Il racontait des trucs de science. Alors, je vais aller dans ces eaux-là. Même si c'est pas des eaux, parce que je suis dans la mine. Ah! Trop drôle! Je suis tellement drôle! Il y a beaucoup d'ennemis. Vraiment beaucoup d'ennemis. Ça sent émo. Oui, ça va, c'est.
Y a plus lourd comme jeu. Shane, on lui a donné son cadeau d'anniversaire, oui. Oui. J'allais dire, et puis j'irai voir Shane au saloon, mais en fait, non, c'est bon, c'est fait. Si tu le prends, ce sera sur Switch. Ah. Bah sur le shop, il doit être dans ces eaux-là aussi, j'imagine, sur le Nintendo Shop, à moins qu'il y ait des promos en ce moment, mais... Petit diamant. Oh oui, double diamant. Oui. Oui. C'est pas double dragon, c'est double diamant. Bon là, il n'y a pas grand chose à ramasser. Un Squid Kid. Paf. Bye bye. Oh oh. Alors, améthyste et rubis. Bon, je sais qu'il y a plein de filons d'or, mais la flemme. En vrai, je devrais les ramasser et faire plein de lingots, ce serait pas mal, mais... Flemme, maxi flemme. Mais des fois, je les mine quand même parce que en dessous, il peut y avoir la sortie. Bon, elle est où la sortie? Allez! Bon, par contre, moi je pense que je vais faire encore la journée de demain dans le jeu et je m'arrêterai là parce que je suis un peu fatiguée. Sortie qui s'est fait désirer. Bah, ramasse le quartz. Oh.
pas que j'oublie aussi de gratter l'amitié avec Ken de temps en temps. Faut que je lui fasse des cadeaux. J'irai lui offrir une fleur. Oh, ça va, je streamais... Enfin, beaucoup, oui, mais j'ai l'habitude de streamer comme ça, donc... ça va, en fait, mais c'est juste que... la nuit, je dors pas super... Enfin, je sais pas si je dors bien ou pas, en fait, parce que... je dors, je me réveille pas particulièrement beaucoup, même parfois pas du tout, mais ça n'empêche que le matin, quand je me réveille, je suis complètement crevée, comme si j'avais pas dormi. Et c'est pesant, quoi. Mais bon, j'imagine que c'est aussi les maux de tête qui me fatiguent et tout. Et du coup, le contre-coup la nuit, et je me repose mal, je sais pas. Mais je suis en permanence fatiguée. Faut que j'aille faire ma prise de sang pour voir si je suis pas à nouveau en manque de fer. Ça revient souvent l'anémie chez moi, donc ça peut jouer sur la fatigue aussi. Ça peut jouer sur d'autres trucs, mais ça peut jouer sur la fatigue. Mais bon, ça implique qu'il faut que je sorte. Du coup, je la ferai un jour. Mais je la ferai quand même. Sinon, après, le médecin, il va pas être content. Oui, vous m'avez demandé une ordonnance. Vous l'avez faite. Vous l'avez pas fait. Oui. Inventory full! Stock, vend, vend, stock. Bon, je vais les vendre, je m'en fous. Pouf, ça, je peux les ouvrir. Ça, je stock, stock, vend, stock, 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 vend. Vend, stock, vend. Mais ça vaut zéro, ça. Stock, vend, mais ça vaudra pas grand-chose. Ça, je vais les mettre là, et non, et là. Ah, oh, mais j'ai pas stocké le minerai d'or. Ouf. Oh, un petit fromage doré. C'est joli. Je récupère tout ça. Voilà. Ok, alors ça je le garde, ça je vais le ranger, et donc on a dit tout le reste je vends, je vérifie, ouais tout le reste je vends. Non après ça va, mon médecin il est pas trop chiant, mais c'est juste que j'avais déjà eu cette prise de sang, il me l'avait prescrit en été, mais je lui avais dit que j'attendrais qu'il fasse plus frais pour aller la faire, parce que la flemme en été. Et puis après, quand je suis retournée le voir, j'ai fait « Ah, j'ai perdu ton ordonnance, tu peux m'en refaire une, STP ?» Bon, je l'ai pas demandé comme ça, mais c'est l'esprit. C'était l'idée, quoi, donc bon, faut quand même que je la fasse. Oh, j'ai fait un achievement. Ça va, on a des sous, là. Bon, alors, on va faire cette journée, et puis après, j'irai faire le doudou. Complete breakfast. Les petits bisous. Hop, le petit cadeau. Les petits bisous. Au revoir. Bye. Oh, les fraises. Pierre, il veut des sashimi. Oh, incroyable. Alors, pour le veau, Luto. Il me reste le 10 000 et le 25 000. Très bien. Donc je vais pouvoir replanter les graines d'ail, mais...
c'est le 21. Ouais, si j'ai le temps de replanter des trucs, j'irai racheter du garlic. 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 Alors, qu'est-ce que je peux vendre dans tout ça? Tous les choux-fleurs, très bien, ça je peux prendre. Je peux vendre tous les palais. Et je peux vendre toutes les fraises. Wouh! Oup, oup! Hip, 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 oup, oup. Ah, ah. Alors oui, je sais, les graines, je pourrais les faire moi-même. Mais flemme, je vais les acheter. faut que je garde des sous. Dépense des sous. Oui! Des poules partout! Des œufs partout! Des canards partout! Quoi? Qu'est-ce qui se vend le mieux? L'œuf ou la maillot? Alors, 375. Il est où ton œuf? Œuf? 95. On va faire de la maillot. Et. 95, 190. Ouais! Je vais faire de la duke maillot. Ouais, ouais. Je t'ai fait un câlin? Oui. N'empêche, le cochon, il est super mignon quand il est petit et après il va être trop moche quand il sera adulte. Au niveau du fromage, ça, ça vaut 190 et 190 et 345, 375 et 200. Ah, entre la bouteille de lait et le fromage, il n'y a pas beaucoup de différence par contre. Il n'y a pas beaucoup de différence. En plus, ça c'est de simples petites bouteilles. Donc là, à la limite, entre les petites bouteilles, ça vaut le coup parce que ça changera pas le. Ça sera toujours forcément ça. Donc là, ça fait 225 et là, du coup, c'est mieux à la limite de faire le fromage dans ces cas-là. Alors, je vais aller racheter des graines. Je vais d'abord tout vendre. Je vais aller regarder ce qu'elle a à vendre au passage et après j'irai chez Pierre. Dent de lion. C'est une dent de lion. Ah ah. Alors... Ouais, bouf. Maxi Osef. Où c'est que j'avais cherché vegetables? C'était là. Ça se revend combien les... non, pas par season, par robust price. Ah, ça compte même pas. Alors, attendez, parce que là je suis bloqué. Spring-oignon. Bah, il y en a deux. Ça se revend 8. Si c'est des 100 étoiles. Là, c'est des étoiles dorées, donc ça se revend 12. C'est vraiment de la merde. Il y a juste Harvey, Léa et Linus qui aiment bien ça, mais sinon, ça sert pas à grand chose. On peut les bouffer, mais c'est tout. Ça s'utilise pas dans les bundles, ça se cuisine pas et ça s'utilise dans aucune quête, donc... Tiens! Incroyable cadeau! Je l'ai pas du tout trouvé par terre. Mais c'est une fleur, donc ça va! Ça va si je la trouve par terre, c'est... Ça passe. Willy qui veut aussi une iron bar, et bah alors... Ok.
monde veut se taper des barres. Lol. Faire vibrer les gens pour passer au travers. C'est le samedi qu'il est près de chez Léa, donc le dimanche, je crois qu'il doit être au magasin. De toute manière, on verra bien en passant. Oh ! Hop ! Oui, parce que vous pouvez aussi les obtenir en secouant les arbres, hein, les petites graines comme ça. Vous pouvez aussi les trouver en secouant les arbres, si vous n'avez pas envie de les couper. Il n'y en aura pas forcément à chaque fois, mais ça peut y en avoir. Alors, tout planter. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je file des sashimi à Pierre. Je retournerai le voir juste après. Alors, j'ai tout bien tout replanté, c'est bon. Oups. Très bien. Mais non, je suis pas sur la bonne colonne. Ah mais non, je suis pas du tout je suis pas du tout aligné. Mais non. C'est compliqué de bien viser avec son arrosoir. Mais oui, mais mon cheval n'est pas là vu qu'elle est là-bas. Oh, le vin est prêt. Je le ramasserai après. Iron Bar. Le Mahou du matou. J'en refais. Je ramasse tout ça maintenant. Allez. Voilà. Donc. Ça, je peux vendre. Ça, faut que je les mette à fondre. Ça, je vends. Mais je pourrais en garder. Ça, je vends. Ça, il faut que je regarde. Ça, je vends. Ça, je vends. Mais après, je ferai aussi du fromage que je garderai. Parce qu'il prendra de la valeur en s'affinant le jour où je ferai enfin agrandir la maison. Au dernier stade. Mais d'abord, il faut déjà que j'ai le stade intermédiaire. Oh, oh, que je n'ai toujours pas. Et recrystal chrome. Process géode. Est-ce que je vais encore avoir le... Non, ça va, ça change. Mais je vais l'avoir en double, c'est ça? Oui. J'ai vraiment l'impression que les lavas géodes, elles sont buggées, hein, franchement. Pouf, 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 pouf. Donc Pierre, je peux aller le voir après. De toute manière, son magasin, il restera ouvert jusqu'à 8h. Mais il arrête de bosser à partir de 5h. Salut Elliot. Voilà. Et tu voulais... C'était bien Willy, hein? Oui. Voilà. Ensuite, le sashimi pour Pierre. Voilà. Hop. Oh bah plein de sous, bah c'est parfait.
je vais aller, hop, ramasser la fleur. Il restera plus que le bundle à 25 000 à acheter. Voilà. J'ai plus de sous. J'avais des sous, j'ai plus de sous. Cadeau. Bah attends, je veux te parler. Ah, elle commence à se dire qu'elle ferait bien des donations de vêtements et autres chaussures vu qu'elle en a plein. C'est chouette. Hop. Alors, idéalement, je vais foutre celle-là. Là, histoire que ce soit facile à récolter aussi. Alors. Ça, je peux le ranger. Bon, ça, je vais le vendre, de toute manière, pour ce que ça vaut. Et ça, je stocke. Voilà. Ensuite. Ah bah, j'aurais pu ranger les graines, tiens. Ça, je mets à chauffer. Et le reste, je peux vendre. Le reste. J'ai beaucoup de choses à vendre. C'est ironique. Alors, qu'est-ce que j'ai à nettoyer? Bon, là, la zone est à peu près dégagée, je pense, mais... Bon, j'ai pas l'air de me faire du foin, donc c'est bon. Je pense que mes silos sont complets. Je vais juste couper ça pour que j'ai un chemin genre dégagé. Voilà, c'est caché! Je suis dans un état de déconfiture totale. Mais je crois que tout le monde est fatigué là, de toute manière. Même moi, je finis ma journée et ce sera aussi la fin de ma journée, mais en vrai. Je coupe tous les arbres. Ouais. Oh, il reste des débris, enfin des débris. Voilà. Petite touffe d'herbe qui n'ont rien à faire là. Pouf, tout nettoyer. Plus de cailloux. Alors, du coup. Oui, voilà. Il est complet. Hop, je rentre là-dedans et je ressors. Comme ça, je suis sûre que normalement les animaux sont tous rentrés. Mais on va vérifier. On a bien deux vaches, deux moutons, deux chèvres et un cochon. Paf. On a bien deux canards et une poule de chaque couleur. Voilà. Très bien. Là, je me demandais où j'avais mis mon cheval. Ben, elle était juste là.
Ah, tu bosses demain, la vache. Tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret, hein? Encore une fois, je précise, tu peux ne pas répondre, hein, y a rien d'obligatoire. Mais dans tous les cas, courage, parce que bosser un 24. Et voilà, là je vais arrêter de couper du bois parce que de toute manière il commence à se faire tard, j'ai plus d'énergie ou presque. Oui, hein, 15 sur 406, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les champignons! Les champignons du soir! Alors, je travaille dans un fast-food, tu ne te plains pas, tu travailles pas le 25, ni le 26, et ni le 31, 1 et 2. Ah bon, ça va, effectivement, mais ouais. Bosser dans un fast-food pour les fêtes, effectivement, oui, ça j'ai fait aussi. Il y a plus sympa. Bon, c'est clair que c'est usant. Ah bah oui, c'était toi non qui disais tout à l'heure les clients qui gueulaient tout ça, non? C'était pas toi, je sais plus. Non, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui parlait déjà du fast-food tout à l'heure, parce que je crois que quelqu'un en parlait, mais je me souviens plus maintenant. Je confonds peut-être. Mais ouais, c'est clair que j'ai fait ça aussi période de Noël, Champs-Élysées, McDo extérieur, parce qu'il y en a deux aux Champs-Élysées. McDo extérieur, période de fête. Ah. C'était bien de la grosse merde. Plus jamais. Déjà de base, plus jamais, parce que je déteste travailler dans un fast-food. Mais en plus pendant les fêtes, alors là, mille fois plus jamais. Déjà de base, je savais que je voulais pas y retourner d'avance. Mais alors là. Ah, tous les sous! Ah bah oui, ah bah oui. Regardez-moi ça, les fraises, là. Oui, très oui. Ah, il pleut. Tu fais beaucoup d'heures supplémentaires et les clients, ouais. Bah oui, ça c'est clair qu'ils sont vraiment pas super aimables, donc un petit bisou? Oui. Bon, je vais juste faire mon petit tour habituel de fin de stream. Ah bah oui, le McDo c'est caca. C'est caca. Est-ce qu'elle est grande ma poule? Je pense pas, mais est-ce qu'elle est grande ma poule? Eh, ma poule ça roule! Non. Est-ce que t'es grand le cochon? Travaille pas à McDo. Ouais, mais après tous les fast-foods, c'est un peu pareil, hein. Le rythme, faut travailler très rapidement, faut enchaîner les clients. Et on aura une quête, enfin une requête. Ah bah ça va, ce sera Clint qui voudra du charbon. Très bien, puis après il restera l'anniversaire de Pierre et d'Émilie. Bon, est-ce qu'on aura des trucs intéressants dans la montagne? Même si j'aurais certainement oublié d'ici là, hein. C'est pas grave, je regarde quand même. Parce qu'à mon avis, si je trouve un œuf de dinosaure, je risque pas d'oublier.
Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Oh. Déception. Ah bah oui, c'est clair que ça pompe toute l'énergie de bosser dans un fast-food, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'épuisait. Peu importe quand je travaillais, peu importe si je travaillais, par exemple, si je faisais des demi-journées, même si c'était genre juste le matin, le reste de la journée, j'étais tellement claqué que... C'est fatigant, certes, physiquement, mais c'est fatigant, c'est épuisant, mentalement aussi, quoi. C'est vraiment horrible. Il n'y aura pas grand-chose, hein? On pourra s'amuser à tenter de pêcher le poisson légendaire. Parce que le poisson légendaire au printemps, il sort quand il pleut, il me semble. Mais sachant que j'ai pas la bonne canne à pêche. Et que... je suis pas niveau 10 en plus en pêche. Je suis niveau 9. LOL! Bon, et ben, il n'y aura pas grand-chose. Ah, peut-être. Non, de la merde. Bien. Bye. Sur ce, eh ben, you. Ouais, le pire, c'est quand tu fais des coupures comme ça, ouais, c'est... Bref, sur ce, ben, moi, je m'arrête là. Je vais aller dormir. Essayer de dormir. Et puis, si tout va bien... demain, on est le 24. Peut-être je ferai des mini-jeux à la con avec pour pseudo-thématique Noël ou pas. Parce que j'ai quand même envie de faire, par exemple, Season After Fall, qui est pas spécialement un jeu de Noël, mais comme ça je pourrais le faire. Comme j'avais dit, il prend pas beaucoup de temps à faire, donc ça va. On pourrait faire ça si ça va demain. On pourrait faire donc les mini-jeux à la con, genre des matchs 3 avec Noël en thème, des mini-jeux à la con, où on fait la cuisine pour des clients et tout, c'est rigolo. Je sais pas, je verrai bien. Tout ça, c'est bien sûr si j'ai pas mal à la tête, hein, parce que les migraines de Noël, ça arrive souvent. C'est tellement rigolo, genre, hé, hey, joyeux Noël! Super! Trop bien! Sur ce, allez, bonne nuit tout le monde, merci d'avoir regardé et à la prochaine, j'espère demain. En attendant, des bisous et bye bye, bonne nuit!